Hey, bien salut à toutes et tous les mycéastes. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Les Arches, ou l'épisode du coup 8, I guess, de Frostpunk en général. Et que se passe-t-il? Déjà il se passe que je m'excuse pour l'épisode d'avant, parce que je viens de remarquer vraiment que le son était vraiment dégueulasse. J'ai cru que ça allait passer au moment où j'ai fait le montage. Et maintenant que j'ai l'épisode en tête, ouais non, c'est vraiment dégueulasse quoi. Là, vous allez remarquer que le son est quand même vachement plus sympathique. C'est parce que j'ai enfin réussi à débrancher qu'on appelle ça? Le ventilateur de SSD en fait qui faisait ce bruit abominable. J'ai réussi à le débrancher, donc maintenant tout devrait bien se passer. Et dans tous les cas, c'est bien, dépôt de ressources que j'ai pris? Oui. Dans tous les cas, l'informaticien, il va passer normalement dans 2 jours. Pour récupérer mon PC, pour installer un nouveau SSD, pour arrêter enfin les bugs que j'ai, parce que quand je fais du montage et quand j'ai beaucoup de pages internet d'ouvertes, ça devient assez fréquent qui bug. Et du coup, c'est très risqué, par exemple, de faire une session de jeu de rôle. Parce que si ça plante, ça plante. J'ai plus l'enregistrement, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus les maps, quoi. C'est vu que c'est pas moi qui fais les voix, mais c'est quand même chiant de faire les maps. Et avec la complexité des maps de Hordeau, j'ai clairement pas envie. J'ai des gens qui bossent là-bas, fais chier. Ouais, rentrez, c'est pas grave. Il fera trop froid sinon pour vous. Ah, quoique. Je vais essayer. Avec la complexité des maps d'Hordeau, j'ai clairement pas envie de tenter le coup en fait, tout connement. C'est-à-dire que, bon, j'ai beaucoup trop de PNJ, beaucoup trop d'ennemis, beaucoup trop de trucs à bouger, et si je devais faire des screenshots, en fait, comme j'ai fait sur certains épisodes de la saison 3 d'Odoria quand j'avais perdu la vidéo, moi je suis là en mode non, quoi. Ah ouais, non, il fait vraiment trop froid. Toi, t'es dans la range ou pas? Non. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai qu'il me fallait. C'est l'automate qui bossait dans le bois que j'ai mis dans l'acier là justement. C'est quoi? C'est plus logique de foutre quelqu'un à un endroit où il peut faire chaud. Que l'inverse. Non, ici. Voilà, comme ça vous aurez chaud. Voilà, tac. Au moins on est bien. Et puis vous arrêtez de bosser. J'ai pas besoin de masse bois non plus pour l'instant. C'est pas grave. Je préfère que vous soyez au chaud. Je suis un mec gentil comme ça. Bon, on va essayer d'accélérer un peu. J'ai réussi à faire 10 jours lors du premier épisode, ce qui est assez incroyable. Je suis plutôt content. J'ai un bon rythme. Oh putain, d'autres noyaux. Ah putain, la tempête, mais regardez-moi ça. Comment c'est flippant. Je sais même pas si je pourrais atteindre la glace là, en faisant le retour, moi. Mais bon, cherche, cherche. Go, go, go. Abri isolé, nouveau refuge. Ce bunker est très solide. On dirait que la personne à qui il était destiné n'est jamais venue. Nous y avons trouvé des ressources très précieuses. Nos éclaireurs pourraient aussi servir de refuge quand ils explorent l'étendue. Ah ouais? Ça fonctionnait comment ça? De refuge. Pas grave. Rentrez à la maison tout de suite. Avec vos 6 noyaux. Mais oui! Mais oui, absolument. C'est parfait ça. 6 noyaux. Alors, le charbonnage amélioré. Est-ce qu'on est bon? Non, toujours pas. Dans ce cas-là, vous allez chercher l'efficacité du générateur. Il va falloir que j'améliore. Ah, quoique, attendez. Est-ce que j'ai la nouvelle. Non. Il va falloir que j'améliore mes mines de charbon, de toute façon. Sinon, ça va être cacadois. Parce que je suis en train d'en perdre, en fait. Alors, je suis encore très malade. Excusez-moi, comme toujours. Normalement, je devrais survivre. Hein?
Alors, le dernier épisode, j'étais un peu malade, mais ça allait, j'ai pas trop toussé. Là, ça devrait passer. C'est aussi pour ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je joue pas à Soma. Non seulement c'est parce que j'ai peur que ça plante, mais aussi parce que je suis malade comme un chien. Le messager a survécu! Wouh! Merde, mais il est amputé. Fuck. Merci, si j'avais été à la Nouvelle Manchester, je serais mort. Ils n'ont pas les moyens de traiter de telles engelures. Première amputation. Ouais. Absolument. J'aurais dû faire ça en avance du coup. J'aurais dû faire la maison de soins. Mais bon, j'en avais pas besoin à ce moment-là, donc. Donc j'avais fait Osef. Allez, chop chop, on avance. Une petite ville de 50 glandus là, avec beaucoup de robots partout. Oh yes! Oh fuck, yes. Mais ça n'est pas nécessaire. Vas-y! Prends-le, j'en ai 4 tonnes. Gogo, Gadgetto, noyau. Et on est plein en acier du coup. Putain, cette blague. On était en galère d'acier. Bah tiens, de toute façon. Tac. Tac, tac. Ça va nous bouffer de l'acier, cette façon. Oh là 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 là. Oh non, du coup, il y a plein d'acier qu'on a perdu. Oh le seum. Ah non, c'est quand même allé. C'est quand même arrivé, je crois. J'hésite. Une vallée, une roche étrange. Place craquelée. Vieux dépôt. Camion à vapeur. Vapeur. Va chercher la vapeur, Polo. Et d'ailleurs. Non, il me faut la technologie, il fait chier. Il me faut la technologie pour avoir une nouvelle équipe d'éclaireurs. Promesse sur la maison de soins tenue. Bah oui, bah évidemment. Vous bossez ou. Vous avez besoin d'autre chose? Sans acier, sans bois, sans. Oui. Bah merci, putain, vous avez mis le temps. Est-ce que je peux le faire vite, ça? Tu le fais en combien de temps? 6 heures. Allez, je prends le risque. Je prends le risque. On est toujours en retard. Ah et non. Ouch. C'est pas grave. C'est une journée, on va survivre. Nouvel automate construit, parfait. Un grand succès, yes! Automate dans les centres médicaux et coût des automates diminuera de 5%. Merci, c'est sympatoche. J'ai de la main-d'œuvre du coup. J'ai de la main-d'œuvre. Et elle va me servir. Je vais l'utiliser pour faire des technologies plus vite. Accident grave. Un automate a marché sur un homme. Ah bah putain. Non, je ne vais pas retirer d'automate. J'en ai rien à foutre, tu vas recevoir. Tu vas recevoir une putain de. Que comment on appelle ça? Tu vas recevoir une prothèse et tu feras pas chier. Hein. Du coup, est-ce que c'est plus rapide de créer un automate comme ça ou. À vrai dire, j'en ai aucune idée.
Mais j'ai envie d'essayer donc. Tac. Ah, mais je peux l'envoyer là-bas, il ne mourra pas. Il ne va pas mourir de froid vu que c'est un robot. Normalement, j'espère. C'est tendu comme plan, mais c'est intéressant. Ah, j'ai pas assez de bois. Oui, c'est un problème. C'est un problème indeed. Vous trouvez quoi? Du but, ouais. Avancez, c'est pas le moment. Est-ce qu'il est pas plus lent que les autres, lui? J'en ai aucune idée, à vrai dire. Deux, trois, quatre, cinq. Wait, what? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais. J'avais de la main-d'œuvre de libre, du coup. Tac. Oula. Non. Ah, fait chier. Ah, fait chier. Jour 13. Frostpunk qui plante. Qui plante. Re tout le monde. J'ai pas perdu grand-chose normalement. Tout devrait bien se passer. Putain. Mais c'était le plantage de l'infini. C'est bon. Est-ce que j'ai des... Wait. Oui, normalement j'ai des endroits. J'ai tout partout. C'est parfait, là j'ai un automate qui bosse. Ok, tout va bien. Tout ne va pas bien, j'ai absolument pas assez de bois, mais tout va bien. Alors que je crée une autre série d'ailleurs. Sinon j'aurai jamais assez de bois, je vais la créer pile là, paf, au milieu de la rue. Enfin, bien sûr, au milieu de la forêt, Thomas. Oula oula. Oula oula. C'est vrai qu'on est très très froid quand même. J'avais un peu oublié ce détail. Ça doit être en train de me bouffer du charbon, ça. Ouais, évidemment. Comme vous voulez, vous. C'est gentil, merci. Maintenant, il nous faut la suite du charbonnage. Sinon, j'aurai jamais assez de charbon, tout connement. Prothèse. Tac, tac. Deux prothèses STP. Allez, go. Go, go, Vegetto prothèse. Mission suicide. Ce véhicule appartenait aux membres d'une expédition de la Nouvelle Manchester. Trop lourd pour la couche de glace. Ah merde. Il faut trouver la putain de ville, parce que je vais devoir leur donner des ressources et je suis pas du tout bien là. Je suis bien pour moi, mais pas pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Merci, mais merci. Avec tout le travail que nous avons fait, il est difficile de s'occuper de nos invalides. Mais oui, mais t'inquiète. Je suis un bro comme ça, moi. D'ailleurs, ça se passe? Ça se passe pas. Please. Merci.
Faisant... Wait. Non. Où est-ce que j'en ai? Il m'en manque... 1, 2... je dirais qu'il m'en manque... 1, 2... 3... Pour l'instant, je dirais qu'il m'en manque 2. Allez, pas besoin de plus pour l'instant, mais enfin... Je vais en avoir besoin de plus au final, mais... Pour l'instant, on va dire que j'ai besoin que de ça. Yes, mine de charbon à vapeur. Merci bien, c'est cool. Ça va me prendre des noyaux. Ça fait mal. Mais j'en ai besoin. Ah, fuck. Que faire, que faire? Je vais avoir besoin de bouffe, je vais avoir besoin de toutes les ressources possibles et imaginables, en fait, tout connement. On va commencer à tout améliorer, je vais avoir besoin de tout améliorer dans tous les cas. Le chauffage, j'arrive à m'en tirer pour l'instant. Après, je vais avoir un peu de répit ici dans lequel je pourrais chercher des choses. Mais c'est en Dax. J'ai que des gens, j'ai que des automates qui travaillent là-bas, ouais. Ok. Parfait. Ok, go. Go, 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 go. Tac. Tac, vous avez intérêt à bosser les mines de charbon, hein, putain. Yes, parfait. Allez, la température redescend. Je sais. Un nouvel automate est prêt. Tac, la température redescend. Tu peux enlever le surmultiplicateur. Ferme ta gueule, je sais. J'ai un ouvrier. Ah. J'ai même pas fait gaffe. Ah, c'est Tandax, hein. Glace craquelée. Mais non, c'est un automate, c'est pas des gens. Nouveau point de repère. Ils n'ont rien donné, mais... Oui. Avance. On recommence à se faire des ressources de charbon, ce qui est une bonne chose. Je suis content. Ah, enfin. Nouvelle Manchester. Des filets de fumée s'élèvent dans son ciel. Elle est encore habitée. Et un nouvel automate. Où est-ce que je te cale, moi? Je te cale là. Je veux que ce soit que des automates qui bossent en bas de la ville. Aciéré à vapeur pour de l'acier. On en a toujours besoin. Encore un mec blessé par un gna, fait chier. Prends les ressources, gros camion. Oh bah oui. J'ai l'intérêt de faire construire grâce à des géants de vapeur comme celui-ci. Ah ouais. Allez, prends tout, Polo. Putain, 2 jours et 13 heures, MDR. J'ai les 500 rations. Ah fuck. Eh non, ce scénario, je suis vraiment mauvais dessus, hein. Comparé à l'autre. Cire à vapeur, c'est sympa ça, monsieur.
Ah, il va me le falloir ça. Hein. Il va me le falloir, sinon quand la température va baisser, je vais être dans la merde. D'ailleurs, attendez. Tac, 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 tac. Là, il y a un automate qui bosse là-bas, t'en as pas besoin. Ouais. Ok. On est bon. On est bon, on optimise. On optimise à fond. Tout devrait bien se passer. Je reste optimiste. Hein? Qu'est-ce que je peux construire? C'est vrai, je peux construire les nouvelles séries. Toi, tu vas plus avoir grand-chose dans ton chemin, donc toi. Il me faut 40 d'acier. Ah! Prends tout! J'aurai besoin de tes ressources. Va falloir que j'augmente aussi jusqu'où elle peut aller, dis donc. Son range. Quoi déjà? Bon bah. C'était rapide. Plus de ressources à disponibles. Il y avait plus de ressources disponibles. Oh putain, ils sont arrivés. Salut, salut! Nouvelle Manchester, une ville à l'agonie. La faible lueur d'un piètre générateur éclaire tant bien que mal le bidonville qui l'entoure. Il y a tellement de monde ici, bien trop. Tous ont l'air malades et dénutris, ça se dit ça? La plupart d'entre eux n'ont même pas de toit. Rien ne peut les sauver de la tempête à part nous. Ouais. Ouais. Je vais essayer, Polo. Je vais essayer. Ça va être tendax, mais je vais essayer. Alors, il me faut une expédition, un automate, 600 acier, 600 bois. Putain, il me semble que la dernière fois que j'avais fait cette partie, j'étais grave mieux en acier et en bois. Et je ne sais pas pourquoi. Que là j'ai clairement pas assez en fait pour quoi que ce soit. Encore une fois, besoin de rien. Hein, pas la flemme de faire des arènes de combat, ça sert strictement à rien, surtout pour des ingénieurs, putain. J'étais à 13 minutes quand la dernière fois que j'ai fait le. Ok, très bien. Faut que je fasse gaffe du coup à pas trop dépasser non plus. Qu'est-ce que je viens de débloquer? J'ai débloqué ça. Ok. Tu vas te calmer, tu vas pas l'activer maintenant. La portée générateur, j'en ai pas besoin, concrètement. Donc il faut juste que je rende mes automates plus pétés, parce que là, c'est pas assez, quoi. C'est pas suffisant. Parce que là, actuellement, si j'enlève ça, il fait 4,6. Ouais, quand même, ok. C'est parce que j'ai pas assez de main d'œuvre. Mais si je mettais une équipe entière d'ingénieurs, ils bosseraient mieux en fait. Ils bosseraient mieux qu'un automate et ça c'est pas cool, c'est pas suffisant surtout. Retour à la maison.
Les personnes qui travaillaient ici faisaient partie des pionniers. Ce sont des groupes comme ceux qui ont, comme eux, ouais, comme ceux qui ont pavé le chemin pour ceux d'entre nous qui tentaient l'aventure au nord. On dirait qu'ils sont partis en toute hâte. Ouais, bon, c'est pas grave, y a plus rien à chercher. Well, shit. C'est ce que je pensais. Déjà? Fuck. Voilà qui est en Dax. Dreadnought de Manchester. T'as combien sur toi? T'as que ça. Ouais, non, vas-y, gros. Trop de ressources, trop de ressources. Parlons de ressources. Il va nous falloir plus de bouffe. Genre ASAP. Aïe aïe aïe, caramba! Le niveau prochain de charbon, c'est dans longtemps. Il faut que je construise des maisons de base. Il va me falloir plus de bouffe pour Manchester après. Mais là, j'ai juste pas assez d'acier, il va falloir que lui y revienne. Et que. Il y a que. Putain, c'est chaud! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, ça va être très tendax. Hein. Vieux dépôt, dis-moi qu'il y a quelque chose. Viande crue et bois. Ah. Et il n'y a plus rien. Ok. Rentre à la maison. ASAP, comme on dit. Je ne sais pas. Si j'ai réussi à sauver entièrement Manchester et déjà une fois. Peut-être, mais peut-être pas. Acier et noyau. Yes! Irréparable. Ce Dreadnought qui devait appartenir à Nouvelle Manchester était capable de transporter des centaines de personnes, mais est désormais irrécupérable. Rien à foutre! Rentre à la maison et ASAP aussi. Je sais qu'il y a un entrepôt ruiné là-bas, mais on n'a pas le temps, Polo. Il me faut tous ces noyaux. Regarde, 3, 4 et 3. Ça va être parfait, ça. Ça va être le bourrinisme le plus total. Hein. Ça, je préviens. De longues heures de labeur. C'est vrai. Oui, vas-y. Qui on a? Qui on avait, de toute façon? Il y avait quoi? Il y avait que eux, non? De toute façon, plus personne ne travaille chez moi, genre... C'est le rêve du communisme. Il y avait que les docteurs et les mecs... Ouais, il y avait le mec de la cantine, je crois, à la limite, mais... Bref. Rien à foutre. Recherche terminée, maison. Ça va être parfait, ça. Ça va prendre un peu d'acier. Mais, j'en ai besoin, de toute façon. Tac! Ça, c'est parfait. Toi, tu vas repartir vers là-bas, parce que c'est du froid. Et je sais que toi, tu vas survivre au froid, en fait, dans tous les cas. Donc, you know. Ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, il me faut plus de charbon. J'en ai un peu... je suis un peu obligé. Et 75 de... Ah, 75 de fer encore. C'est le caca.
Je construis des automates, pourquoi? Parce que il va m'en falloir à envoyer pour l'expédition de base. Ah fuck, j'avais oublié ça. C'est bon, on est encore dans le frais? Parfait. On est bien, ça veut dire. On gagne 1000 de charbon par jour, pour l'instant en tout cas. On a juste vraiment pas assez d'acier. Tout connement en fait. Ta-ta-ta-ta-ta. Donc l'huile de charbon, on est sur le chemin. Ouais, il faut juste que... J'ai 10 jours quoi pour faire toutes ces conneries et ça demande beaucoup. Ça demande juste beaucoup trop. Efficacité du générateur. Là j'ai pas assez pour faire les... Si, j'ai assez, parfait. Plus de fer, Polo. Plus de fer. Trois jours. Oh. Non, j'ai envoyé lui. Hein. Toi, you know what? Toi, je vais te démanteler. C'est pas important, c'est pas grave. Ok, j'en ai un qui est oisif, c'est bien, c'est une bonne chose, je vais le garder oisif. Pas besoin. Oh, quoique, attends. Non, j'en ai qu'un seul qui est oisif. Ok, je vais mettre à bosser là-bas, puis je vais en construire deux autres. De toute façon, j'ai les ressources, je m'en fous, monsieur. Merde, j'en ai un qui attend. Ah! Ah! De la scie en plus. Prends les ressources, Polo. Est-ce que je t'envoie là-bas maintenant? 2 jours? Ou est-ce que je te renvoie en ville? T'as que de l'acier? 107. J'en ai combien? Ouais, non, reviens à la maison, Polo. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, oh, merde. Bon, toi, il y a combien de bois là-dedans? Je sais même pas combien il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas grave, je vais démanteler cet endroit. Et construire une nouvelle scierie à vapeur. Juste ici. Le bois, normalement, si je dis pas de conneries, ne devrait plus être un problème. Acier avancé. Parfait. Plus d'acier. Plus d'acier. S'il vous plaît, plus d'acier. J'ai besoin d'envoyer une expédition. Je suis con, hein. Je construis des choses. Plus de charbon? Ou plus de bouffe? Comment je me débrouille niveau charbon? Pour l'instant, ça va. J'ai toujours pas ce qu'il faut.
Alors qu'en bouffe, il me semble que ça va. Ah, je sais plus. Rationalise, rationalise. Ok, tac. Tac, toi tu vas repartir. Aïe aïe aïe, caramba, c'est mort. C'est mort, c'est tellement mort. Je vais tellement pas leur envoyer tout ce qu'il faut. T'as plus. Ah! T'as plus accès aux ressources. J'ai l'impression que je joue tellement comme de la merde là, actuellement. C'est plutôt terrible. Allez. Allez, on y est bientôt. 600. Expédition de sauvetage. Comment ça, j'ai pas d'automate de construit? Ah! Bon, pas grave. Toi. Expédition de sauvetage. Go. Maintenant, celle d'après. Deux automates, 2000 rations. Je le savais! Ah! I fucking knew it! Je savais que j'aurais pas assez. Ah, j'ai même pas assez de charbon pour moi là. Ah, fais chier. Ah, fais chier. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher? La rationalisation. J'ai pas fait la bouffe du coup, j'ai pas fait la bouffe du coup. God fucking damn it! Ça c'est combien ça? 30 vivres crus. 60 vivres crus. C'est le double de bouffe. Il me les faut, tout connement. Il me les faut. Se dresse contre vous. Bah ça va pas, oui. Vous avez craqué. Ils se lèvent contre vous. Non mais, ils ont cru. Combien de temps on y est? 26. J'avais fait 13, donc on est à 40 déjà. Nouvel automate construit. Puis faites de la soupe, j'en ai rien à foutre. Je vais avoir besoin de ces trucs, donc... Rationalisation de charbonnage, c'est fait. Du coup, la bouffe. Promesse tenue. Ouais! Rien à foutre. C'est pas le moment. Je tiens des promesses électorales, mais clairement, c'est même pas fait exprès, tu sais. Juste, please, produisez de la bouffe. Plus vite. Il a atteint la roche étrange. Qu'est-ce que tu y vois? Réserve enneigée. Deux automates, 2000 rations. Deux automates, 2000 rations. Deux automates, 2000 rations. J'en ai un qui est oisif là. Il y en a un que tu construis? J'ai pas. Mais si, normalement tu le construis. Couvre tes fesses. Construis-le! Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu travailles pas, c'est normal.
Ah, je deviens trop stressé pour ces conneries. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un brown? Ok. C'est pas grave. Tout va bien. Tu vas réussir ce scénario. Tu vas réussir ce scénario. C'est quoi? J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas le temps pour ces conneries. Ah! Overtime work, rien à foutre que vous soyez mécontent. Donc ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Qu'ils sont encore plus pétés mes automates. C'est bon ça. Quand est-ce que la température chute? J'ai le time avant que la température chute. Du coup, Bliat. Voilà. Qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oui, c'est vrai. Bah oui, les nouvelles trucs de bouffe, évidemment. Allez-y. Grouillez-vous, s'il vous plaît. Toi, t'as atteint des trucs de vivre cru. Réserve perdue, vas-y, retourne vers la dameuse. Allez-y, chop chop, produisez. J'en ai deux qui sont oisifs, j'en ai deux qui sont oisifs. Mes automates sont plus précis. Mine de charbon avancée, je vais en avoir besoin, go for it. Allez, allez les 2000, ils sont bientôt là, je les vois. Ah mais la... Ah ça va attendre demain. Hein. Noyau, ah oui. Vaincu par le climat, cette dameuse a été séparée de notre expédition par le blizzard, puis est tombée en panne de carburant. Nos anciens compagnons s'y trouvent encore congelés. Ah, oups. Putain, j'ai le temps de rentrer, j'espère. Normalement, oui, hein, vu que la tempête tape dans 6 jours, mais... Allez. Allez, 6h du matin, vous vous levez et vous taffez. Et vous taffez, j'ai dit. Tac, 2000. 2000. Tac, tac, expédition de sauvetage. Tac. Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur faut? 4 automates et 6000 charbons. 4 automates. Mais j'ai pas assez de noyaux, enculé. Oh, fermez votre gueule. Hein? 4 automates et 6000 charbons. J'ai pas besoin d'acier pour quoi que ce soit, donc, tac, tac. Est-ce que j'ai besoin de bois? De toute façon, toi, t'as plus rien à choper en bois. On n'a pas autant de bouffe que ça à produire. 6000 charbons, tac. Maintenant que ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait. Je vais quand même produire des automates pour remplir ce que je viens d'envoyer. Et normalement, New Manchester devrait bien se passer. Prendre l'IRS. Qu'est-ce qui... Quoi? Non. PC. Ok, mon PC fait un L-tap pour rien. C'est génial. Des ressources. Tu peux rentrer à la maison le plus vite possible, STP. Comment je suis niveau charbon? Je gagne du charbon. Il m'en faut 8000. Niveau ration, ça passe vite aussi. Et après, il faut juste que je... Non, tout va bien se passer. Soutien exprimé. Capitaine, nous avons trouvé une lettre anonyme qui vous est adressée. Je vous soutiens de tout cœur pour votre décision d'aider la nouvelle Manchester. C'est gentil, merci. Je suis à 33, du coup plus 13, je suis à 46 minutes d'épisode normalement.
Dernier effort. Maintenant que les nouvelles manchester ne courent plus aucun risque majeur, nous pouvons à nouveau nous concentrer sur notre mission. Effectivement, c'est un peu ce que je fais. Certes, nous n'étions pas d'accord avec vous, mais nous souhaitons tourner la page. Genre. Qui est aussi gentil que ça? Multipliez vos putains d'efforts. Dédoublez-vous s'il vous plaît. Putain, j'ai plus aucune production de bois. C'est le caca total, hein, par contre. Mine de charbon avancée. Je n'ai plus de noyau. Chauffage. J'ai le temps, mais c'est quand même important. Radiateur amélioré pour mon bousin. Normalement, ça devrait passer crème. Nouvel automate construit. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Tu peux bosser là-dedans, l'automate? Ouais, vas-y, go. Efficacité, toujours plus de charbon. Hein, plus grand chose d'autre à faire pour l'instant, actually. Merde. T'es rentré à la maison, toi? Non, t'es dans la vallée. Ah, rentre à la maison! Grotte, c'est sur le chemin ou pas? 5 jours. Tu mets 12 heures. Et là, tu mets 1 jour. C'est tendu, mais tu peux le faire. Je crois en toi. J'ai quand même besoin de lui, de ses noyaux, en fait, pour la production de charbon. Mais ça devrait passer, normalement. Je gagne 1002 par jour. Normalement, ça devrait passer. Ils ont atteint la grotte. Allez! On s'en fout, j'ai pas lu. Revenez à la maison, c'est tout. Rien à foutre. J'ai tout exploré? Je crois que c'est la première fois que j'explore tout dans ce scénario. Et oui, j'ai l'intention de le finir, en fait, je pense. En deux vidéos, ça sera fait, je pense. Efficacité générateur niveau 2. Ouais! Porter des foyers. Je pourrais les réarranger, je pense. Eux, ils sont revenus à la maison. Bah, t'as plus rien à faire, je vais te démanteler. Tac. Ouais, tout se passe bien. La ville est quasiment entièrement remplie d'automates. Moi, j'adore. Moi, j'aime. Ah si, non, j'ai encore des gens qui bossent là-dedans. J'ai rien dit. Ouais, tout se passe bien. Et normalement, tout veut... Dis donc, c'est que je m'en suis bien tiré au final. Je pensais que c'était un peu le bordel, mais ça va. Enfin, j'ai l'impression que ça va, en tout cas. Je
suis désolé si vous aimez pas les gros épisodes, parce que là on arrive sur 50 et quelques minutes, mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, donc vous plaignez pas, bordel de merde. Toi, dès que tu rentres à la maison, je construis les nouvelles trucs de charbon. Ça, c'est juste un au cas où, hein. Je vais pas l'activer, mais... Ah ! Non, intégration des automates, vas-y, bonus. Balance, balance, balance. Pas besoin du reste, en fait. Pas vraiment, en tout cas. Donc, genre de labeur, vas-y, t'as le droit. Je te laisse. Je te laisse bosser que de 8h à 18h. Voyons, une journée de 10h. Espèce de faible. Bam ! Toi, je te dissous. Rentre chez toi. Mine de charbon avancée. Tac, tac. Go. Construisez-moi ça, en vitesse. Grouillez vos fesses. J'ai besoin de ce charbon ASAP, ok? Je veux avoir les plus grosses ressources possibles et imaginables sur ce scénario. Pigé. Plus de ressources de bois, plus de ressources de bois. Bon, c'est pas grave. Plus besoin. Je pense que ça passe. Normalement, ça passe. On gagne presque 3000 de charbon par jour. Normalement, ça passe. Allez, on est large, on est encore en frais. Large. Le supérieur canadien. Enfin, le canadien supérieur plutôt. Allez. On est bientôt là. On est bientôt là, Polo. Juste encore plus de dépôts de ressources. Pour le LOLs. Eh, ça y est, on est prêt. Eh ben voilà. Tac! C'est comme ça qu'on fait, putain. Ah bah il était rapide ce scénario, c'est vrai, j'avais oublié. Enfin, j'avais prévenu, hein, deux fois plus court que le premier, mais là c'est même trois fois plus court. Nous avons fait de notre mieux. Bah ça va, tout le monde a survécu, calme-toi. Sois pas dépressif non plus. Nous fûmes désignés les intendants de l'avenir. Mais l'hiver
nous força à choisir. Nous trouvâmes une autre ville, sans défense, dans le froid. Nous décidâmes de les aider. Leur vie était ce qui importait le plus. Nous sauvâmes toutes les arches. Mais surtout, nous sauvâmes la nouvelle Manchester. Nous avons tenté notre chance et sauvé notre humanité. Tel peut être notre héritage. Je veux quand même préciser qu'en anglais, c'est genre vachement plus classe, c'est « Let that be our legacy ». Mais bon, you know. Wouh ! Et le tout en moins d'une heure. C'est bien quand même. C'était le deuxième scénario de Frostpunk, Les Arches, qui est passé du coup extrêmement vite et que du coup j'ai réussi haut la main, même si pendant la moitié du temps j'étais persuadé que j'allais me faire rétamer. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être dans la merde en fait. Mais au final, ça s'est très bien passé, je me souvenais absolument plus des demandes que faisait New Manchester. Au final, j'ai réussi à libérer des automates sur le chemin. En explorant toute l'étendue, j'ai récupéré masse noyaux, alors qu'habituellement j'en ai beaucoup moins. Donc je suis plutôt content. Lors du prochain épisode, on fera le prochain scénario, Les Réfugiés, qui est encore plus dur, il me semble, sur lequel j'avais bien galéré au début, et il me semble que je l'ai jamais fini de façon perfecte. j'ai toujours plein de gens qui sont morts, si je dis pas de conneries. Du coup, on verra ça lors du prochain épisode, si vous êtes toujours intéressé, hein, Frostpunk, le city building, c'est mon dada. Encore une fois, je vous dis à la prochaine, à plus. Ciao.